Konnichiwa, c'est Kuze, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le 15e épisode de Kingdom Hearts. Donc ça fait quand même une semaine qu'il n'y a pas vu de vidéo, enfin qu'il n'y a pas eu de vidéo, pardon. Donc pourquoi? Bah pas de raison, j'ai la flemme, c'est tout. Voilà. Donc sachez que quand il n'y a pas de vidéo, c'est pas pour des raisons en général, hein, c'est juste parce que j'ai pas envie d'en faire donc j'en fais pas. Voilà. Donc bon, on reprend. Oula, faut dire que ça fait assez longtemps. Enfin, ça fait... Ouais, ça va faire environ 2 semaines que j'ai pas joué à Kingdom Hearts, hein, parce que tous les épisodes qui sont sortis, je les avais tournés le même jour, en fait. Ce qui fait que... Voilà. Il paraît qu'il y a des tournois au Colisée de l'Olympe. Et il paraît que le vainqueur remporte un superbe prix. Ok. Mais non. À moi, pas envie d'y aller, hein. On est obligé d'y aller, hein. Voilà. On y va. Donc, Monstro, on l'a fait. Et d'ailleurs, on était où, là? On était dans le pays d'Aladin, hein, donc. Donc là, regardons 5 étoiles. Et ici, il y en a combien? Oula. Là, il y en a 6. Donc, on va aller faire un tour ici. Avant d'aller autre part. Allez, on va se retaper des trucs en vaisseau Goumi, là. Alors par contre, beaucoup de personnes me disent comme quoi le prochain Kingdom Hearts qu'on va faire, le Road Chain of Memories, là, est quand même assez difficile et que apparemment il n'est pas aussi intéressant que le 1. Mais le truc en fait, c'est que j'ai vraiment envie de faire découvrir en fait l'histoire de Kingdom Hearts bah, à vous, aux abonnés, donc à ma communauté, etc. Et du coup, pour ce faire, pour vraiment que vous compreniez l'histoire de A à Z et moi aussi également, parce que voilà, moi en vrai j'ai fini que celui-là une fois. Le 2, j'y ai joué un peu, je dirais peut-être une dizaine d'heures, même pas, voire un tout petit peu moins. Et je l'ai pas fini pour pas me spoiler. Donc ensuite, le Road Chain of Memories, le prochain, je l'ai pas fini. Le 2.5, du coup, j'ai fini aucun de cela, et puis le 358 2 days, donc le troisième qu'on fera, et ben c'est juste des cinématiques qui se suivent en fait, parce que c'était un jeu, il me semble, de DS ou un truc dans le genre, et du coup je suis en train de perdre mes mots là, c'est un truc de fou. Et bien du coup c'est que des cinématiques quoi, donc bon, c'est pas comme si on avait fini un jeu. Attendez, je vais baisser un peu ma chaise, je me sens un peu trop gros. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et je vous souhaite évidemment une bonne année. Bon, ça arrive un peu en retard, mais bon, j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière. Ah si, il y avait peut-être une petite excuse en fait. C'est parce qu'en fait, il y avait mon frère et ma soeur qui étaient en vacances, donc du coup, ils faisaient le bordel et je pouvais pas faire de vidéo. Hein. Mais j'ai fait des lives sur FF13 hein, la plupart du temps la semaine dernière. Donc, si vous voulez me voir faire des lives, tout simplement, abonnez-vous à la chaîne Twitch TV, il y a un lien dans la description. Et j'ai fait des lives, on va dire, je dirais pas assez souvent hein, en ce moment, mais j'en fais pas mal. Je dirais au minimum un tous les 3 jours. Hein, donc. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Monstro n'est plus là. Partons avant qu'il ne revienne. Ah mon dieu! Allez, on y va. En tout cas, moi, j'ai l'impression que j'ai attrapé froid. Parce que... parce que j'ai attrapé froid, tout simplement. Par contre, franchement, honnêtement, on va faire un truc. Dites-moi si des épisodes de 40 minutes, ça vous gêne. Ou si ça vous gêne pas. Parce que c'est surtout pour le prochain. Bon, celui-là, je pense qu'on va rester à une demi-heure par épisode, ça me semble bien. Par contre, pour le prochain, et pour les autres qui suivront également, 40 minutes, en fait, ça me semble bien, parce que sinon, il y aura trop d'épisodes. Donc, du coup... dites-moi si ça vous gêne vraiment, si ça vous gêne vraiment beaucoup, je ne ferai pas 40 minutes, certes, mais ça me semble mieux. Après, ça à vous décider, hein, mais...
Donc voilà la petite sirène. Allez, on y va. On calme. Bon, vous êtes prêts tous les deux? On descend. T'inquiète, Donald. Quoi? Il y a que de l'eau là-bas. On va se noyer? Mais non, ne sous-estime pas la magie du grand Donald. Toi, t'es gland, toi? Toi, t'es gland, Donald, toi?離れてるから、この辺の水には慣れてなくて。まあ、それじゃ仕方ないわね。そうだ、セバスチャン。泳ぎ方教えてあげて。アリエル、またトリトン王に叱られますよ。大丈夫よ。 Oh, c'est facile à dire, mais bon, il est temps que tu apprennes à nager correctement. Utilise le joystick gauche pour nager. Appuyez sur rond pour monter et sur carré pour plonger. Ok, parfait. Entraîne-toi avec Polochon. Essaie de le rattraper. Prêt, c'est parti. J'aime bien la zikmi. Alors au boss par contre de ce monde, je me souviens que j'avais galéré hein. Je crois même que c'est le boss dont j'ai le plus galéré. Ça suffit Polochon, hein. Where is Polochon? Polochon? Where is... Bon, bon, on va continuer notre route. Mais il est où alors le Polochon? Je ne sais pas où tu es. Polochon, pas Polochon, non, pas Polochon. Ah, il est là le Polochon. Hey, gros. Ah, il est là encore une fois, Polochon. Mais bon, on va pas te suivre pendant 36 ans. Daibu-sama,になってきたな. O-tsugi-wa, mi-o-mamoru-hou-hou-da-ga. Sébastien! J'ai-t-il-de-ou-poué-le-no-ga-i-chi-ma-da. Oh, les 5 coeurs, allez, on y va. Et mets juste 5 coeurs et tout. Hop là. Donc, ça va, on va reprendre l'habitude. De toute façon, il n'y a pas trop grand chose à reprendre en main. Hein. Juste appuyer sur croix. Quelques petites techniques. Alors, Ariel. Où es-tu, Ariel? Elle est partie, Ariel. Oh, mais. N'oublie pas. Mais oh, putain, mais vous êtes casse-couille un peu. Ah, ouais. Ariel. Allez. Oh, vous êtes doué. C'est tout. Mais putain, mais c'est pas vrai. Écoute, merci, je suis doué, je sais, mais... Ah oui, c'est vrai. Il se fera peut-être sur votre table dessus. Ok. Voilà.
Un point de sauvegarde, hein, vraiment. Allez, moi je sauvegarde, hein. Ouf, nous avons enfin réussi à leur échapper. Oh non, les autres sont peut-être allés vers le palais. Tu as raison, dépêchons-nous d'y aller. Mais si on rencontre encore ceux en chemin, vous voulez bien nous guider et nous accompagner jusqu'au palais? Les tridents sur la paroi indiquent la direction à prendre. Si on les suit, on ne se perdra pas. En route. Ok. Et moi je prends Dingo et Donald. Validé. Alors. Sauvegarde. Évidemment, à la deuxième. Et voilà. Allez, on y go. Donc, on va suivre les tridents sous les murs. Sûr que vous chantez aussi derrière votre écran. Faites pas genre, je le sais. De toute façon, je ne croirai pas ce que vous dites, non. Ah voilà. Donc apparemment, il fallait pas là. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Eh, t'as cru que j'étais qui, moi? Moi, je suis sauveur, le maître de la Keyblade. Par contre, on va essayer de pas aller dans la tornade, je suis sûr que ça va nous amener quelque part. Mais... Viens, si toi. Voilà. Moi, je me souviens bien que j'étais petit, le crabe qui chantait. C'était bien drôle. Oh putain, il y a... Non, bon, en fait, ça me bat les couilles, hein. Oh, j'abonde. Le canignon sur moi. Mais... Oui, bon, si je vois pas, ça va pas m'aider. Mais... Mais genre, on peut pas... C'est quoi ce bordel, là? Ah, en plus, c'est les trucs qui disparaissent là, bon. Ah bah voilà. Putain, c'est chelou, ça montait pas tout à l'heure. Oh putain, c'est pas vrai, j'en ai vu. Oh, vous êtes tiens. Hein. Hop là. Allez. Aïe. Mais d'où tu contrôles comme ça, toi? Mais t'as couru d'attaquer. C'est bon, y'a plus personne. On y va. Donc les tridents indiquent là-bas. Pourquoi il allume des gyrophares? Il est fou. Mais il est fou. Alors. Non, 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 on se calme. On se calme. Monsieur. Oula, toi tu es pas gentil, toi. Toi j'ai les bras. Bon, t'as pas tenu longtemps non plus, mais... Attendez, il y a une marque là. C'est une blanche, je sais même plus si on peut les faire les blancs. Ah, pardon. Ah, le palais, il est là-bas. Allons au palais. Mais... Lâche-moi, toi. Non, mais ça va pas, non. Terrible. Dégage. Voilà. Allez, hop. あぶないところだったな。 だがわしとこのトライデントがある限り、あのような輩をこの宮殿に侵入させるものか。パパ。ありえぬ。宮殿の外は危険だとあれほど言っておいたのに。怪しい奴らがうろついておるのだ。うん。
俺たち、遠くの海から来たもんで。そうそう、鍵穴を探しにね。鍵穴？何それ？いや、あのね、そんなものは知らん。聞いたこともないな。でもパパ、アリエル、お前は黙っていなさい。いいな、もう二度と宮殿の外へ出てはならんぞ。 わしの育て方が厳しすぎるのか。わしはただアリエルのことが心配なんだ。お気持ちはごもっともです。それにしても鍵穴とは何のことでしょうか。お前は気にしなくともよいことだ、セバスチャン。それよりも例の件は、トリトン王のおっしゃる通り、 奴らは、アガスラのところから来ているようです。あの魔女め、また何か企んでいるのか。宮殿から追放すれば、もう悪さもできまいと思っていたが。全く恐ろしい限りです。その恐ろしいところへアリエルを近づけさせないのが、お前の役目ではなかったのか。それは、その、 Et voilà donc, apparemment ça vient de la grotte d'Ursula. Donc où est la grotte d'Ursula? On va essayer de découvrir ça. Alors, en tout cas je suppose qu'il n'y a pas d'autre chemin par ici. Et si toi? Mais, voilà. Une petite potion plus au calme. Du coup on va essayer de ressortir. Allez, on va se le faire lui, un peu d'XP. Ta-ta-ra-ta-ta-ta. Viens dans ma cachette, je veux te montrer quelque chose. L'entrée est derrière ce rocher là-bas. Ok. C'est un gentil dauphin ou c'est un méchant lequel? Regarde ces objets merveilleux que j'ai ramassés avec Polochon. Je pense qu'ils viennent tous du monde extérieur. Un jour, j'irai voir à quoi ça ressemble. Tu ne trouves pas ça bizarre? Merde. Tu trouves ça bizarre, toi, de vouloir visiter d'autres mondes? Non, pas du tout. Avant, j'étais comme toi. Avant? Aujourd'hui aussi. Et si on cherchait cette serrure dont vous parliez? Mais ton père a dit, j'en ai assez qu'il me traite comme une petite fille. Il ne me laisse jamais rien faire. Il ne comprend pas ce que je peux ressentir. Ah, et tout? Mais pourquoi tu cries comme ça? Attends, moi j'avais un truc qui m'a intrigué là. Voilà, ça là. Je suis sûr que c'est après que ça va être... Attends, j'ai vu un triangle là. Allez. Il y a un gros poisson qui arrive à nager contre courant, mais il a peur de ces étranges créatures. Si vous les chassez, il acceptera sûrement de jouer avec vous. Il vous emmènera peut-être quelque part si vous agrippez à lui. Ah, ça veut dire qu'il faut que j'ai un poisson. だけどあの娘は使えそうだ。おまけに今の私にはハートレスの力もある。今々しいドリトンめ、今に見ていろ。 Oh putain, quelle émotion, quelle est grosse, hein.
Il est gros lui. Ah bon, il a pas tenu longtemps non plus. Moi, ouais, il avait l'avantage d'être un peu plus gros que les autres. À la Sora. Levez le feu. Attends, attends, c'est peut-être lui. Ah mon dieu, j'ai coup, je vais très loin comme ça, j'y vais loin, j'y vais, où c'est qui m'embête? Hein? Mais attends, il fait juste moi ou il fait toujours la même chose? D'accord, donc toi t'es un gars comme ça, ok. Lâche-moi! Voilà. Lâche-moi, c'est moi qui devrais te lâcher plutôt. Ta-ta-ta-da. Allez hop, on les fracasse tous. Easy money et tout. Eh oh, moi je veux ta. Hop là. Ah là, levez le pedingo. Donc bon, niveau ici, est-ce qu'il y a des autres entrées qu'on pourrait visiter? Ah bah voilà. Jardin sous-marin. Attends, on sait pas ce que c'est. Hein. Faut que j'arrête de changer cette musique, hein, ça va. Donc apparemment, il y a rien à foutre ici. Après niveau entrée, il a l'air d'avoir que absolument que ça. En fait. Ah non, il a l'air d'avoir un truc en bas. Là. Ah bah non, là il y a rien du tout. Bon, on va aller par là-bas. Ah oui, c'est quand on a pris le. Je me souviens. Attends, attendez. Quand on a pris le l'espèce de chemin là. C'est que d'ailleurs on s'est dirigé vers un autre côté. On pouvait aller autre part si je dis pas de coup de loup. Et là où est-ce qu'on va? La mer d'Atlantica. Oh non, me dis pas que je suis remonté comme un débile. Hein. Ah si, si, attends, attends, attends. Je crois que c'est là. Et oh, on se calme la caméra. Ouyouhou. Ah voilà, c'est là. Voilà. Alors où est-ce qu'on est? Évidemment. Hop là, on massacre les ennemis. Mais. J'aime pas me battre sous l'eau, hein, c'est chiant. Viens ici. J'ai dit viens ici. Voilà. Mais abattez-le. Abattez-le. Voilà. Où je suis là? Où de tui? Oh putain, je suis retourné ici comme un tué. Attendez, j'ai vu un. Il est où? Ah putain. J'ai vu un dauphin ou un requin. Non, c'est pas. C'est des dauphins. C'est... Obligé de venir sous le mur là. Ah, voilà. Où est-ce qu'il va nous amener celui-là? Ah voilà, il nous amène bien quelque part. Bonjour. Est-ce que j'ai le droit d'aller ici? Parce que bon, ça m'a l'air un peu. Hein. Ça m'a l'air d'être là. Oula.
Moi j'aime pas le gros poisson qui vient de passer là, ouais. Il m'a pas l'air très gentil et tout, lui. Alors, j'ai un quelconque sentiment. Je n'aime pas cette fan. Voilà, c'est ce que je disais. Donc de 1, tu te calmes, ok. Et de 2, tu me laisses prendre mon coffre. Qui est maintenant ici. Boudomitélide. Allez, on va aller se le faire, ce gros poisson. Ah, il est là. Eh, gros. Aïe. T'as cru t'as été qui, hein. Toi, t'as cru t'as été fort et tout. Non, mais... Aïe. Mais oh. Stop. Par contre, c'est quoi le but, là, bah. Voilà. J'ai pu dire. Il a fait tomber quelque chose. Alors il s'est barré, hein. Ok, d'accord. Bon, il doit y avoir quelque chose à faire ici parce que. Parce que voilà. Forcément quelque chose. Ah, en tout cas là. Touk touk. Elixir. Il me semble qu'il y a quelque chose à faire ici, si je me souviens bien. Ta, 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 ta. Ah là, il y a une pierre chelou là. Alors, tiens. Bah oui, mais ça me dit oui. Ça me dit pas ce qu'il faut faire. Tiens. C'est quoi ce truc? Si seulement je pouvais l'atteindre. Attends, il y a peut-être moyen. Vas-y. Mais comment on pouvait faire? Attends. On va essayer tous les trucs de magie, toi, stop, rafale, d'un bras. Ça, moi. Comment on fait pour atteindre ce truc là? Je suis sûr encore c'est un truc du genre c'est pas maintenant qu'il faut faire. Ah putain, ça va mieux. Glacier plus. Top. Enfin. Ah non, on peut rien faire, hein. Il y a forcément un truc là. Alors. Tac 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 tac. Ah, il y a un coffre là, j'ai pas eu. Ou demi-télil. Wep, 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 wep. Et ben écoutez, en tout cas, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode parce que ça va faire 30 minutes. Et donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Donc, si vous l'avez apprécié, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce vert à la vidéo, à la partager. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo très très bientôt. Donc, allez, à la prochaine. Ciao, ciao.